وقل رب زدني علما. Aïssa, Ibn Maryam, les savants ont divergé combien de temps il va vivre sur terre. Il y a deux versions et deux hadiths sont authentiques. Certains disent 7 ans, d'autres disent, ou la deuxième version, 40 ans. Et en fait, pour comprendre les deux versions du hadith, puisque le prophète ne se contredit pas, ça dans la salle. En fait, il suffit en fait de comprendre que Isa a déjà vécu combien de temps sur terre? 33 ans. 33 ans plus 7, ça fait 40. Donc le premier hadith, lorsque le prophète a dit Isa vivra 7 ans sur terre, effectivement, au moment où il descendra, jusqu'à ce que Allah le fera mourir. 7 ans, plus les 33 ans qu'il a déjà vécu avec son peuple, au final, on a bien 40 années. Voilà comment on réunit les deux hadiths. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا